Dans cette vidéo, tu vas apprendre l'analyse fondamentale en griffe, comme on le dit souvent, analyse fondamentale, mais moi, je ne vois pas ça comme analyse fondamentale, qui est le new economy. Oui, tu peux associer ça à ton trading pour pouvoir vraiment te faire de l'argent sur le marché du forex, et pour ici, le marché du forex, parce que les indices synthétiques, on n'a pas besoin de ça. Mais sur le marché du forex, c'est très important d'avoir les informations. Comme on le dit, l'information coûte cher et l'information est très importante. Donc, les informations qui sont sur une plateforme qu'on va découvrir ensemble, qu'il faut surveiller. Et dès que tu sais qu'il y a une information qui doit venir, tu dois prendre tes précautions et sécuriser ta position. Donc, c'est un peu de cela que nous allons parler dans cette vidéo-là. Alors, si les nouvelles économies t'intéressent pour pouvoir ne plus perdre de l'argent lorsqu'il y a les nouvelles économies qui sortent, je t'invite à regarder la vidéo-là jusqu'à la fin et on se retrouve juste après ça pour. Nous sommes de retour, je suis Amoni Isaac. Si c'est la première fois que tu me découvres, je t'invite à t'abonner et à liker et à partager. Et surtout, à laisser un commentaire, ça me fera plaisir. Ok? Je suis le gérant de Africa Digital Business, une startup basée en ligne qui vous apprend à gagner de l'argent sur Internet. Qui sont, par exemple, le trading, l'e-commerce, l'investissement en bourse, la crypto-monnaie. Donc, si vous êtes intéressé par A, regardez dans la description et à nous contacter et on fera le plaisir de vous apprendre cela. Alors, rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi? Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles économies. On a tendance à dire que les nouvelles économies sont l'analyse fondamentale, mais à vrai dire, ce n'est pas réellement l'analyse fondamentale, c'est juste une partie de l'analyse fondamentale. Donc, dire que regarder les nouvelles économies, c'est l'analyse fondamentale, c'est vraiment se mettre en œuvre, c'est juste des informations. Les nouvelles économies, ça n'a rien à voir avec l'analyse fondamentale de façon à proprement dire. L'analyse fondamentale, à proprement dire, ça prend en compte les chiffres d'affaires, ça prend en compte les perspectives, ça prend en compte plusieurs paramètres. Alors, lorsqu'on fait le forex, on ne peut pas aller chercher les perspectives d'une entreprise ou bien d'une monnaie ou bien d'une devise. Non, non, non. On va juste regarder quelles sont les informations qu'ils vont partager, quelles sont les news qui sont positives, quelles sont les news qui sont négatives. Donc, c'est juste ça qui nous intéresse. Et même quand on va traiter le Nasdaq, on ne va pas aller rentrer dans la base du Nasdaq pour dire. L'entreprise, est-ce que les entreprises vont bien? Est-ce qu'ils ont fait des chiffres d'affaires? Est-ce qu'ils ont fait des bénéfices? On va pas se poser toutes ces questions-là. Un trader, c'est beaucoup graphique. Retenez ça bien, un trader, c'est beaucoup graphique. C'est lorsque on est un investisseur, qu'on cherche à fouiller à l'intérieur jusqu'à la chute, c'est ça qu'on appelle l'analyse fondamentale, fouiller, fouiller pour voir est-ce que où je vais aller déposer mon argent là? Est-ce que ça sera rentable à long terme? C'est de ça qu'il s'agit au fait. Donc, dit que regarder les nouvelles économies, c'est analyse fondamentale, c'est vraiment se mettre en oreille. Donc, un trader, c'est beaucoup graphique et c'est ce qui fait notre force, c'est de spéculer sur des mouvements, des variations rapidement et sortir. On ne va pas prendre une position et laisser pendant un an ni deux mois. Non, c'est rare. Donc, aller se plonger dans l'analyse fondamentale, c'est trop dit au fait. Donc, c'est juste les nouvelles économies que nous regardons et on se prépare à ça. Donc, une fois que les nouvelles économies sont passées, c'est que on sait que de façon fondamentale, c'est ce qui fait que le prix va évoluer, hein, en gros. Mais nous, Théodore, on ne va pas aller trop fouiller dedans. Donc, pensant que regarder les nouvelles économies, c'est l'analyse fondamentale, c'est se mettre en erreur. Alors, dans cette vidéo, tu vas découvrir comment regarder les nouvelles économies. Alors, on se retrouve juste après ça et on se retrouve de l'autre côté de mon écran. Comment voir les annonces économiques? Voilà. Comment voir les annonces économiques? Parce que c'est une chose très importante. Si vous êtes un trader ou trader de forex, si vous voulez, si vous trader le forex, les annonces économiques sont très 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 importantes pour vous. Parce que lorsqu'il y a des annonces économiques, le marché est très très volatile et qui parle de volatilité. Voilà, on parle de manque de liquidité. Parce que un marché peut être volatile et faire n'importe quoi. Donc, faites beaucoup attention lorsque le marché est volatile. Donc, pour éviter qu'on se fait prendre, par exemple, toucher notre top là, comment ou bien manque de tout, alors, il va falloir que dans votre analyse technique ou bien dans votre manière de trader, vous insérez les annonces économiques, parce que l'annonce économique, les gens confondent ça en disant que c'est l'analyse fondamentale. Bon, oui, un peu fondamental, mais c'est une branche de l'analyse fondamentale, ce n'est pas une analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, on le fait sur lorsqu'on est en train d'investir
investir. Mais en tout cas, la nuit fondamentale, c'est pas trop important. Quand on veut investir, voilà, quand on veut investir, l'analyse fondamentale prend le dessus de l'analyse technique. Mais lorsqu'on est en train de parler de toggle, tu es le fait de postuler sur des petites variations, c'est beaucoup technique que fondamental. Mais on a pris cette petite branche-là qui consiste à regarder les annonces pour ne pas se faire avoir de façon. Puisque tout ce qui se passe sur le marché dérive de l'économie, dérive de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles, hein, qui se passe dans la vie active, dans l'économie, hein, de la devise que nous trouvons. Voyez un peu. Donc, on utilise ça pour regarder simplement, ah, il y a une annonce très, très importante qui va venir, alors ça aura un impact sur le marché, alors quelles sont mes dispositions, quelles sont mes précautions que je prends en fait. Voilà. Si ce n'est pas le cas, alors je maintiens mon trade ou bien soit je fais ce qu'on disait pour sécuriser tout ça. Donc, si vous n'avez pas cette notion-là, c'est là que vous allez faire avoir. Parce que généralement, quand le marché, quand il y a une annonce économique qui sort, le marché est très, très, très bouillant. Et s'il y avait des top locks, s'il y avait des top locks, il serait difficile que je coupe au niveau d'avoir mis votre top lock. Parce que quoi? Comme elle est volatile, elle fait des va-et-vient et du coup, il n'y a pas de contrepartie en ce moment-là. Puisqu'il faut savoir que quand tu achètes, quelqu'un doit le vendre. Quand tu vends, quelqu'un doit l'acheter. Donc, il n'y a pas de contrepartie. Il serait difficile que votre position puisse être exécutée, hein, au niveau que vous voulez. Donc, peut-être qu'il y aura les secondes qui vont faire la différence qui fait que votre top lock peut être dépassé et aller être coupé derrière là-bas. Vous allez dire, mais j'ai mis mon top lock à ce niveau, c'est coupé. Donc, ce qui est intéressant avec les annonces, c'est que c'est une technique que je vais vous donner. Si vous voyez qu'il y a une annonce qui va venir, qui est très importante, prenez vos précautions. Voilà, prenez vos précautions. Et attendez-vous à ça avant que, soit tu n'es pas encore pour de taux, attendez que tout, attendez que cela passe d'abord avant de cesser à prendre le taux. Maintenant, si vous tradez les nouvelles économies, comme on le dit, les nouvelles économies, si vous tradez les nouvelles économies, alors vous pouvez vous lancer dedans. Mais si vous n'êtes pas un trader de nouvelles économies, voilà, vous utilisez que les annonces économiques pour vous et pour se préserver au fait pour savoir un peu ce qui vient dans l'avenir en fait. Parce qu'on ne peut pas trader une devise et ou bien une paire sans avoir les puisque ce ne sont pas des devises de notre pays. Donc il faut avoir l'information de ces pays-là. Voilà. Les informations macroéconomiques de ces pays-là afin qu'on puisse vraiment être à l'aise sur ce marché. Donc, très important. Alors, où en allant tirer ces informations-là, il y a une plateforme qui s'appelle Investi, qui est une plateforme qui donne vraiment les informations sur le marché. Et comme je l'ai dit, c'est les annonces économiques. Voilà, ce n'est pas l'analyse fondamentale. Pas confondre. Je le répète, l'analyse fondamentale va consister à étudier les chiffres d'affaires et les bénéfices de l'entreprise, on a plus comment il y a tellement de paramètres que tu as pris en compte le fondamental et les perspectives de l'entreprise, hein, la vision de l'entreprise. Il y a tellement de paramètres à ce niveau. Hein, le projet, par exemple, quand on veut étudier par exemple les crypto-monnaies, là, on fait l'analyse fondamentale d'une monnaie, on va étudier quels sont les comment le projet, quel est le projet, si le projet est innovant. Mais ici, en tant que trading ici, on va déjà rentrer un tour en profondeur, le pays même, laquelle vision, etc. Non, non. Qu'est-ce que s'ils ont fini de faire leur tour, l'annonce qu'ils vont annoncer là, s'ils ont fini de faire leur réunion, ou bien ils vont prendre des décisions, on sait qu'ils vont prendre des décisions. C'est qu'ils vont, non, non, non. Les décisions qu'ils vont prendre, est-ce que ça va impacter notre, si ça va impacter, alors on prend la disposition. Si ça ne va pas impacter, alors on continue notre chemin. Donc, pour voir ces informations-là, on va venir sur Investis. Et sur Investis, vous allez voir les annonces économiques que vous pouvez paramétrer, vous pouvez filtrer. Voilà. Moi, par exemple, les autres pays ne m'intéressent pas.
l'Espagne, Danemark, Côte d'Ivoire. Donc, je n'ai que décoché tout ça et laissé peut-être le Japon, la France, les États-Unis, voilà le Canada, c'est tout, et la zone d'euro, voilà. Et j'ai catégorisé simplement en prenant les choses importantes. L'emploi, crédit, activité économique, banque centrale, inflation, index de confiance. Point barre. Les obligations, non, le solde, non. Et j'ai pris que les informations qui sont importantes, c'est-à-dire que le minimum, c'est 2. Et le maximum, c'est 3. Donc, vous voyez, 3 étoiles ou 3 têtes de taureau. Là, l'information est capitale. Voilà. Donc, j'ai enregistré, j'ai appliqué et ce n'est que ces pays-là que j'aurai les informations. Les autres ne m'intéressent pas parce que je ne traite pas les monnaies, les devises, si vous voulez. Donc, quand je suis venu chez Investir, vous allez voir que vous voyez que la zone euro, voici les informations que j'ai à mon niveau. Dans 38 minutes, cette annonce va sortir. Bon, est-ce que cette annonce-là est importante pour moi? Et oui, si elle est 3 étoiles, je vais apporter beaucoup d'attention. Si elle est 2, bon, ça reste à voir. Et discours de temps en temps, voilà. Et tu vois un peu l'heure et la date. En fonction de votre pays, vous pouvez peut-être voir l'heure, GMT ou bien tout ça. En fonction de votre pays, vous aurez plus d'informations. Donc, quand je vois qu'il y a une annonce qui va sortir dans 37 minutes et qu'elle est importante, on va regarder hier, on va venir hier voir un peu s'il y avait des informations capitales. Bon, il n'y en a pas. On va regarder demain. Voilà, permis de construction. Discours de Tottenham. Là, et puis, IPC, voilà. Index de prix moyen à la consommation. Ça, c'est au niveau du Canada. Bon. Les États-Unis est déjà sorti. Voilà. Et membre de la Fed, la Banque fédérale des États-Unis. Ok. Vous pouvez me regarder pour cette semaine. Vous pouvez me regarder pour cette semaine, toute la semaine. Donc, si on commence depuis hier, et le voir mercredi, demain, ce qu'on veut le voir. On va voir jeudi. J'ai dit sommet des dirigeants de l'Union européenne. Vous voyez que c'est très important. J'ai dit bien sommet des dirigeants de l'Union européenne. Bon, faut qu'il y ait une décision. Inclusion hebdomadaire aux États-Unis, très important. Parce qu'on parle du chômage. Très important. Et vous voyez qu'ils sont très, très, très importants. Donc, en fonction de ces étoiles-là, j'ai pour mes précautions. Discours de Lagarde. Ah, on ne sait pas ce qu'elle va dire. Très important le samedi. Donc, ça va avoir des impacts. Le lundi, quand on va le lundi de la semaine prochaine, si vous voulez. La semaine prochaine, vous pouvez également regarder. Voilà. Donc, tout ça, vous pouvez regarder et vous préparer à ça, en fait. Voilà. Donc, il y a son application, vous pouvez l'installer ou bien venir sur la plateforme directement et venir voir les annonces qui vont sortir des paires des devises que vous tradez et vous allez vous préparer à ça. Et tout est détaillé sur la plateforme quand vous voulez regarder. Si vous voulez regarder, vous cliquez directement dessus. Et vous allez voir c'est quoi en fait l'annonce. Et quelle information c'est derrière. Voilà, vous allez voir un peu l'information c'est derrière. Le discours de Nabel, la Banque centrale. Nabel, membre de la du directoire de la Banque centrale européenne, va prendre la parole. Voilà. Et possible. Donc, il va donner des directions sur la politique monétaire. Ils vont augmenter les taux d'intérêt ou bien ils vont faire quoi? C'est sûr, il va finir de dire ça. Mais non, si vous avez aussi la possibilité de regarder à la télé, je sais pas si c'est Bloomberg, voilà, Canal Plus, et vous allez avoir aussi ces informations qui vont passer directement à la télé. Je pense que c'est Bloomberg, comme ça. Bon, pas trop le terme en anglais. Vous pouvez regarder la chaîne et vous allez avoir les informations en live. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, dit que ce qu'on doit faire, c'est l'analyse fondamentale. Non, c'est une brosse, une toute petite brosse de l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale consiste vraiment à aller en profondeur, en profondeur, en profondeur des choses. Mais quand on est ordinaire, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On est ordinaire, c'est le graphique qui nous intéresse beaucoup. Soit on va t'aider cette petite branche qui est les news économiques. Parce que quand par exemple on dit que le taux de chômage au niveau des États-Unis a baissé, on va voir que
Bon, là, cette paix-là va prendre la valeur. Si le tueur se bat de tôt, les gens vont aller voir que cette paix-là va perdre la valeur. Cette monnaie-là, cette devise plutôt, va perdre la valeur. Donc, tu vois que par exemple, le résultat est négatif, même positif, alors que tu veux prendre une position. Si elle est positive, tu peux peut-être une position peut-être d'achat, je ne sais pas. Pendant ce bon, ce qui se passe, se passe, et à la suite de ça, maintenant, ils vont faire la bonne direction. Donc, faites beaucoup attention aux nouvelles économies. Ça fait gagner beaucoup d'argent, ça fait perdre aussi beaucoup d'argent. Donc, en bon entendeur, c'est juste ma petite contribution, hein, pour vous aider dans ce sens. Merci et à la prochaine.